Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On finit la semaine avec une recette gourmande de mini cake au chocolat, sans gluten, sans lactose, et hyper facile à faire et pratiquement sans farine. J'espère que cette recette facile vous plaira. Je commence par faire fondre 200 g de chocolat noir. Ensuite, j'ajoute 3 œufs et je mélange bien avec le fouet. Jusqu'à l'obtention d'une texture assez épaisse comme celle-ci. Ensuite, j'ajoute 10 g de noix de coco râpée. Si vous n'aimez pas la noix de coco, vous pouvez remplacer avec de la poudre d'amande et 25 g de farine de riz. Sans oublier un sachet de levure chimique sans gluten équivaut à 11 g. Je mélange bien. Ensuite, j'ai décidé de faire une forme de mini cake, mais vous pouvez faire en muffin ou vous pouvez aussi faire un cake basique. Je mets ma pâte dans mon moule de mini cake que j'ai huilé au préalable. Et ensuite, j'enfourne à 180 degrés, 13 à 15 minutes. Je vous conseille de bien surveiller la cuisson. N'hésitez pas à vérifier la cuisson avec un cure-dent. Il faudra laisser refroidir complètement les mini cakes avant de les démouler parce qu'ils risquent de se casser. Une recette hyper facile pour un goûter sans gluten, sans lactose et sans sucre ajouté. J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao ciao!